Et bien salut tout le monde, c'est XVSky, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur MK1 comme à l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau, Sindel XXX? Ouais, ça va, ouais, ça pourrait être trop difficile. Tiens, prends mes cheveux! Avec quoi? Pour les rester, cri. Ok. Aïe! Pas cool! Vas-y, moi j'ai un chose CD, hein, je te dirai rien. Hein. Alors, c'est Goro, pardon. Allez, mange! Je crie à la gueule, moi. Tu ne vaux pas mieux que les atrocités de Shang Tsung. Tanya et vos filles, elles sont en vie, mais piégées dans l'amulette. Nous pouvons les sauver. Impliqué dans la trahison de Shao. Tu dois savoir que ça te coûtera la vie. Une vie que je lui dois mille fois. La sacrifier à son service serait un honneur. Fight. Eh ben va mourir. Pas cool. Non! Oh! Tiens, coup de talon dans la basse. Mais tu es tout de même coupable. Tu répondras. Oh! Oh! Ce gâchis de metteur là qui nous a fait. Allez, bouf! Ta rébellion est vaine. C'est ta trahison qui me blesse le plus. Je te voyais comme un fils. Je vous ai surpassé, impératrice. Shang Tsung m'a appris que j'avais à peine effleuré la surface de mon pouvoir. Pour l'explorer, je dois me libérer de vos limites. Ok, ça t'a dans ta gueule alors. Bam! Aïe! Ah.
Hey. Non. Non. Je suis pas d'accord. Wesh. Et bim. Oui. Boing. Boing. Allez, bouffe. Et merde. Ouais, c'est pas comme ça qu'on traite ton impératrice. Ouh, le bassin, il est mort. Mais non. D'où il me la cancelle. Toi, à mes yeux, tu es déjà mort. Votre règne est terminé, Sindel. Je me souviens du jeune garçon chétif que tu étais. Des efforts de ton père pour te permettre de dépasser tes faiblesses. Et tu le remercies en crachant sur ses idéaux. Ta révolte va à l'encontre de toutes ses valeurs. Fight. Boing. Elle est loin à l'époque où Shao Kahn y faisait peur, hein. Tu m'as abandonné ainsi que l'Empire. Le nom de ta famille sera terni pour toujours. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Wesh. Je fais que spammer V là. Ouais, j'ai peur. Tu es déchu, général. L'amulette, Majesté. Je suis désolé, mais nous devons faire vite pour sauver le royaume Terre. Est-ce là un ordre de mon créateur? Non, Majesté. Ce n'est que la prière d'un ami. Voleur d'âme. Qu'il reste actif. Je suis sûr que nous saurons quoi faire des âmes récoltées.
prendront-ils les armes, si on leur ordonne? Non. Ce sont les plus fidèles lieutenants du général. Si nous voulons arrêter les voleurs d'âmes, nous devons les neutraliser. Oui, en effet. Nous devons nous séparer. À chaque fois que je vois Ermac, je pense à Légion dans dans le film Ghost Rider. Je sais pas pourquoi. Ouh là là, XY. Ah, on peut faire une shop pendant un combo avec elle. XY shop, YX shop. Okay. C'est pas facile, hein. On va peut-être éviter les combos avec Shop du coup. Alors, on a un XBB, ok, ça a l'air pas mal ça. Alors, à la côte beau, donc on a un side direct, une téléportation, oh là là, ça a l'air dur! Wesh! Ah non, d'accord! Mais... Ah! Il me gourde toujours! Allez, dans le crâne! Ouais, ouais! Elle est violente, hein, Milena. Non! Tu ne mourras pas, Ermac. Incroyable, Milena. Dans une autre vie, vous auriez pu être Umgadi. Mais je préfère celle-ci, chère Tanya. Nous devons partir. Vite! Milena, attends! Père? Est-ce vraiment toi? Oui, Milena. Ce corps a été créé avec les âmes de la forêt vivante. La mienne s'y trouvait. Ton attaque a brisé le sort qui nous liait. Maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Ah, père! Tu n'es pas Limei, Umgadi. Je l'ai remplacée après votre mort, votre majesté. Elle a quitté l'ordre plutôt que d'accepter sa punition. Sa punition? Ce n'était pas sa faute.
Cette discussion devra attendre, père. Nous devons partir. Bonjour, Jerod. Liu Kang, mon ami. Nous nous retrouvons. Je suis heureux de te revoir. Nous nous retrouvons encore une fois dans des circonstances difficiles. Et cette fois encore, nous triompherons. Comme toujours, Sindel, je suis à ton service. Comment peuvent-ils ignorer que les voleurs d'âmes sont désactivés ? Nous sommes au cœur des montagnes. Ils n'ont pas à réaliser. Regardez-les comploter. Cette histoire n'aurait jamais dû se reproduire. Il nous faut la couronne. Comme ça, il sera privé de guerriers. Nos chances seront meilleures si nous les encerclons. Je vais les distraire, pendant que vous, vous prenez position. Je m'en occupe, mère. Shang Tsung. Princesse Milena. J'ai des nouvelles de l'outre-monde. Sindel a été destitué. Le général Shao règne en maître. Et pourtant, vous êtes en liberté. Oui, le général avait besoin d'un complice proche du trône. C'est moi qui ai joué ce rôle. L'héritière du trône choisirait d'y renoncer ? Je n'ai jamais voulu de ce fardeau. Je laisse volontiers le royaume, général. Je veux dire, à l'empereur Shao. Quelle étonnante maturité. Votre sagesse profitera à l'outre-monde. Ça oui, Shang Tsung. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Un pari audacieux, princesse. Quelle impressionnante duplicité. Vraiment, qui en eût cru capable ? Vous aviez des doutes quant à mes capacités ? Car votre mort, elle ne fait aucun doute. Fight ! Oula ! D'accord, allez ! Allez, papy ! Ah oui, on va planter le crâne. Ah oui. Ta trahison sera punie. Ne t'attends à aucune clémence. Ah. J'arrive pas, hein. J'ai vraiment du mal avec ce combo, en vrai. Et voilà. Votre trahison de l'autre monde aura des conséquences. Grâce à la princesse, cette bataille est finie. La bataille, peut-être, mais pas la guerre. C'est vrai.
Tant que votre bienfaitrice rôde, les royaumes restent en danger. Qui est-elle, sorcier ? Quand on parle du loup, Liu Kang, je te présente Damashi. Damashi ? Tu es victime d'une supercherie, sorcier. Tu n'es pas Damashi, tu es moi. Plus exactement, c'est toi qui es moi. Une pâle copie, du moins. Amoindrie par l'ingérence de Liu Kang. Que se passe-t-il ici ? Mais qui est-ce ? J'ai battu ce Shang Tsung pour m'emparer du sablier. J'étais persuadé qu'il était mort. Moi aussi, je t'ai cru mort, Liu Kang. En réalité, notre combat a généré énormément d'énergie, au point de déchirer la trame du temps. Le combat a eu deux conclusions. Dans l'une, c'est moi qui l'ai emporté. Dans l'autre, c'est toi qui as gagné. J'ai mis des millénaires à m'en rendre compte. Et puis j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai pris cette apparence et j'ai infiltré ton continent. J'ai élevé ces misérables en leur offrant de grands pouvoirs. Ensemble, ils ont semé la discorde dans les royaumes. Et pour moi, ils ont assemblé l'armée du dragon. Je leur ai fait croire qu'en réalité, ils m'aidaient à conquérir le royaume Terre et l'Outre-Monde. Mais mon véritable but est d'exterminer toute vie dans ce continuum, puis de le fusionner avec le mien. Vous nous avez promis des royaumes pour finalement nous laisser nous faire massacrer ? Vous n'étiez que mes pions, pas mes alliés. Vous serez sacrifiés, maintenant que vous avez joué votre rôle. Nous vous avons servi loyalement, offert la couronne du dragon. Ça ? Ce n'est qu'un jouet. Je n'en ai pas besoin pour contrôler l'armée du dragon. Les âmes me suffisent bien largement. Adieu, Liu Kang. Ton continuum et toi ne manqueraient à personne. Il semble que nos intérêts convergent, à présent. Je n'ai aucune confiance en vous. Au moindre signe de trahison, je vous fais abattre. Serait futile. Ce continuum sera détruit. Oh, Popo ! Oh, le retournement de situation, les gens ! Magnifique ! Et Dark Raiden en plus ! Oh là là! Ah, ça, je m'y attendais pas, j'avoue. Hein. Ah, ils nous ont bien eu, hein, Warner. Enfin, plutôt Neverim Studio. Hein. Les deux fins de MK1 Aftermath, de MK11 Aftermath étaient des fins canon. Magnifique! Rien à redire. Oh là là! Ce nouveau Shang Tsung n'avait pas assez d'hommes.
Mais avance donc, si tu l'oses. Je terminerai ce que Raiden a commencé. Ténacité est admirable. Jusqu'à notre dernier souffle. Tant que le sang coulera dans nos veines, nous ne serons pas vaincus. De nobles sentiments qui n'ont que peu de poids. Aucun de vous n'aura la vie sauve. De voir un enfant perdre sa mère. Si ma mère meurt, une autre Sindel la suivra dans la tombe. Fight. Ah! Allez, mange! Voilà. Ça se terminera quand j'arracherai ton cœur de mes mains nues. Ouh. Recule. Là, j'ai fait ça comment? Wesh! Allez, mange! Tu ne peux pas partir. Pas maintenant. Il est temps, ma fille. Au moins... nous avons eu un peu plus de temps. Je les chérirai. Mère. Règne avec sagesse. Impératrice. Oui, mère. Mon père et Kitana m'aideront. Tu as fait ? J'ai recueilli l'âme de ta mère. À présent, elle réside en moi. Elle est en sécurité. Dépêchez-vous, tout le monde. Nous devons partir. Thank you.
Pour déplacer une telle armée à travers les royaumes, il a besoin d'un portail, non? Bien plus d'un. Il doit avoir tout un nexus de portail. Ah, ils ne doivent pas être loin. Si nous les suivons, ils nous y mèneront. Oui. Mais nous devons attendre Raiden et Kung Lao pour frapper. L'absence d'Elin Kuei est impardonnable. Bian les a totalement corrompus. À l'issue de cette crise, nous pourrons nous occuper de lui. Ce n'est que la première bataille d'une longue guerre à laquelle le titan Shang Tsung a préparé tout son continuum. Nous ne pouvons rivaliser. Selon mon homologue, votre combat a divisé la trame du temps et créé deux continuums. Mais qui sait si elle n'a pas été divisée davantage? Pourquoi n'y aurait-il que deux continuums? Où veux-tu en venir par là, sorcier? Tu dis que nous manquons de puissance. Peut-être la trouverons-nous dans d'autres continuums. Mais comment faire? En cherchant des alliés dans d'autres continuums, d'autres titans, pour lever une armée imbattable. Oui, s'ils existent. Ce dont nous n'avons aucune preuve. Nous devons nous concentrer sur la bataille. Nous ne pouvons jouer notre survie sur une hypothèse. Si Liu Kang a raison, cette bataille est perdue d'avance. C'est peut-être notre seul espoir. Geras, ton avis? Oui, c'est possible. Mais je ne suis que l'intendant du sablier. Cette quête me dépasse. Il n'y a que le gardien du temps qui peut l'entreprendre. Et à présent, je n'ai plus ce pouvoir. Vous pouvez peut-être le récupérer. Quoi? Mais comment ça? Lorsque vous avez renoncé au sablier, je craignais qu'un jour, vous en ayez à nouveau besoin. Alors plutôt que de perdre votre pouvoir, je l'ai récupéré. Et aujourd'hui, il est encore en ma possession. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que le processus de restauration de votre pouvoir est irréversible. Malheureusement, retrouvez votre vie actuelle, protecteur du royaume Terre. Cette vie que vous aimez tant pourrait être impossible. Et tu ne voulais pas que je sois tenté de faire ce sacrifice, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire. Exact. Merci, Geras. Ta sagesse nous a tous sauvés. Bien. Où gardes-tu mon pouvoir? Nous devons le récupérer. Il est dans le Temple du Feu, dans le jaguar de jade qui vous a été offert par le grand Kung Lao. Oui, Geras. Liu Kang s'est révélé plus résilient que prévu. Ses camarades et lui se sont échappés de la forteresse. Oublie les autres. Trouve Liu Kang. Il n'y a que lui qui menace mes plans. Tu n'aurais pu trouver mieux pour conserver mon pouvoir, Geras. J'ai toujours chéri ce présent du grand Kung Lao. Il me rappelle sa nature méticuleuse et son cœur généreux. Quand nous aurons retrouvé le jaguar de jade, nous partirons à la recherche du sablier. Là, nous pourrons alors vous transférer les pouvoirs temporels qu'il renferme. Je réalise seulement que depuis tout ce temps, tu avais un accès illimité au pouvoir que le réceptacle contient. Tu aurais pu t'en emparer et devenir le gardien du temps. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai foi en votre vision pour ce nouvel âge. En être le gardien me suffit. Merci, Geras. Bien. Ce processus que tu proposes, es-tu certain qu'il me rendra tous mes pouvoirs? Non, je ne peux en être sûr, car personne n'a jamais rien essayé de tel. Même si nous réussissons, rien ne garantit que vous puissiez trouver d'autres continuums, ou même des alliés. Il n'y en a peut-être tout simplement pas. J'espère que notre quête n'est pas vaine. Je déteste abandonner les autres. Vos champions gagneront en puissance face à l'armée du dragon. Ils ne connaîtront jamais de plus grandes batailles. Que les dieux anciens les protègent.
Mon ex avait tellement tout faux. Ah, je regrette vraiment pas les 300 patates que j'ai claquées là-dedans. Ah, cette magie est incroyable. Pas de magie, votre splendeur. De la technologie. Quoi qu'il en soit, nous savons quoi faire maintenant. Les portails et l'armée du dragon doivent être détruits. Scorpion, tu as un plan ? Nous devons diviser nos forces. Toi, Shang Tsung et Quan Chi, vous attaquerez les portails avec votre magie. Pendant ce temps, Kenshi et Jerod écraseront l'armée du dragon. Nous nous attaquerons nos doubles maléfiques. Si nous les vainquons, cela pourrait déstabiliser les guerriers du dragon. Quelle stratégie astucieuse. C'est vrai, je n'aurais pas trouvé mieux. Épargnez-moi vos flatteries. Notre confiance se gagne uniquement par les actions. Notre venin se répandra. Ce sera la fin de toute chose. L'apocalypse. Shang Tsung. Quan Chi, avec moi. Je suis pour ma part très contrarié par cette trahison. Je partage ton courroux. Je suggère de canaliser notre colère et de l'utiliser pour oblitérer les sbires de mon double maléfique. Fight! Oh là, Shang Tsung, j'ai jamais joué avec lui de toute ma vie. Oh là là, ok. Alors, beaucoup de arrière apparemment. Forme jeune. Attends, on est en forme jeune, là, on est d'accord. Hein. Vieille habitude. Bon, ouais, avec lui, on va faire simple. On va juste spammer les mêmes combos en boucle. Je pense que ça ira. Attendez, c'était bien Y en arrière. Hop! D'où je l'ai loupé! Et meurt! Efficace, mais insuffisant. Tu ne peux rien. La petite tape sur le visage. Ces deux-là ne nous embêteront plus.
D'autres ennemis demandent notre attention. Pas de quoi, sorcier. C'est moi ou ce Raiden devient insupportable? Tu n'as pas tort, mais on s'en occupera demain. Pour l'instant, on a d'autres problèmes. Fight! Allez, j'ai eu ta coiffure! Ils font la même pour homme ou pas? Bah, lui, au moins, il a encore des cheveux, contrairement à moi. LOL! Tu veux toujours te battre? Je t'inhumerai sous les eaux. Mais va comment l'IA réagit quand on la spam. En fait, c'est chiant. Easy! Problème résolu. Deux sur cinq. C'est déjà ça. Passons à la suite. Alimente les portails en énergie. En le tuant, nous les fermerons à jamais. Ces troupes commencent à me fatiguer. Achevons-les. Fight. Ouais, c'est Scorpion, ça. Oh, le design dégueulasse qu'il a. Et c'est cru pour un Power Ranger Scorpion ou quoi là? Et vas-y là, c'est quoi ce spamming? Picheuse! C'est pas notre combo en vrai, c'est intéressant. YB, attendez, c'est forme jeune, mais il est en forme jeune là, on est d'accord. Arrière, XY. Avec quoi d'autre? Transformation rapide, R. Quoi? J'arrive pas! Ah.
Mais vas-y là, c'est quoi ce spamming? Tu parles de feu et de glace. Blessé ? Je vais, on ne peut mieux. Imbécile. La dernière fois, votre sort m'avait simplement pris par surprise. Ça n'arrivera plus. Fight. Allez, général. Recule. Recule. Mais quoi? Merde. J'en perds mes combos là. Ça va faire mal quand même, hein. D'où ? D'où ? L'armée est piégée. Tous les autres royaumes de ce continuum sont en sécurité. Ne l'oublie jamais, Raiden. Nous avons risqué nos vies pour vous aider. Si vous n'aviez pas conspiré avec l'autre Shang Tsung, nous n'aurions pas eu besoin de votre aide. Ils combattront jusqu'au dernier. Allez, nous devons aider les autres. Je suis prêt. Puissions-nous trouver d'autres continuums et d'autres titans. Geras ? Liu Kang ? Doucement, Kitana. Nous sommes des amis. Que s'est-il passé? Où suis-je? Très loin de chez toi. Dans un autre continuum, pour être exact. Quoi? Est-ce que toi aussi tu es... un gardien du temps? Oui. Deux gardiens? Comment est-ce possible?
La lutte pour le sablier de Kronika a déchiré la trame du temps. Là où il n'y avait qu'un seul continuum, il y en a plusieurs. Chaque nouveau continuum représente une issue différente pour notre combat. Dans le mien, je suis gardien du temps. Dans le tien, c'est toi. Dans d'autres, ça peut être Jade, Sindel, ou même Keno. Les possibilités sont infinies. Si tous ces continuums découlent du même, et que nous y étions tous les deux, alors... Tu es mon... Liu Kang. Celui-là même que tu as combattu dans la cour de Shang Tsung. Qui s'est battu à tes côtés au Colisée. Qui rayonnait de fierté lorsque tu es devenu Khan de l'Outre-Monde. Pourquoi le destin semble-t-il s'acharner contre nous? Nous refuser les plaisirs simples de la vie? Je n'en sais rien. Peut-être que dans l'un des continuums, ça changera. J'aimerais croire que c'est pour ça que tu es là. Mais... je te connais et je ne suis pas dupe. Quel devoir nous appelle encore? Je vais te dire. Mais d'abord, nous devons retrouver plusieurs de nos vieux amis. Shang Tsung est un titan, et détient le pouvoir du sablier. Oui, Kung Lao. Il menace tous les continuums. Il ne sait pas encore qu'il y en a d'autres que le sien et celui de Liu Kang. Pour le moment, ce n'est qu'une question de temps. J'espérais que ma victoire face à Kronika arrêterait le cycle sans fin du combat. Mais voilà qu'il recommence. Nous n'avons pas le choix. Nous devons arrêter Shang Tsung. Les millions d'adeptes de la Société du Lotus Blanc pourront nous aider. Merci, mes amis. Il est là. Liu Kang, tu as trouvé des alliés, et même des alliés titans. Comment ai-je pu être si aveugle? Évidemment qu'il existe d'autres continuums. Rentre dans le tien, Shang Tsung. Ta fusion des continuums a pitoyablement échoué. Oui, tes camarades se sont montrés pleins de ressources. Je m'étais donc résigné à détruire ton continuum, mais maintenant... que je sais que d'autres continuums sont à ma disposition, ma décision prend tout son sens. Une fois que j'aurai détruit le sablier, ton continuum cessera enfin d'exister. Et je prendrai un immense plaisir à t'achever une dernière fois. Comme avant. J'arrive à anticiper tous tes mouvements. De même, espérons que notre avantage porte ses fruits. Fight! On partagera les fruits au prochain épisode, les loulous! Oh là là, punaise, plus ça avance, plus c'est excitant! Allez, je vais vous laisser ici, les loulous. Sur ce, prenez soin de vous, et prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la oui attitude, comme d'habitude, j'en procure. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je vous fais un peu de partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bouti bouti. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace!